Oh my God, on y est chez Goethe, ici. Et dans cette maison, je pense que c'est une étape. Et vraiment, cette maison fait partie intégrante de l'âme de la ville. Et si on y ajoute Goethe, je crois que c'est un bonheur complet. Goethe, c'est le nouveau laboratoire culturel et créatif franco-allemand au Goethe-Institut. Il s'agit d'un espace de coworking. Alors nous, on souhaite renforcer l'amitié franco-allemande dans le domaine des industries culturelles et créatives et accompagner les jeunes créateurs, les futures start-up de leur première idée jusqu'à la réalisation de leur projet. Nous, on est la start-up Off Culture, donc on est une association nancéenne. Ça fait 7 ans qu'on est implanté sur Nancy pour proposer en fait des concerts à la fois en appartement, dans des lieux atypiques de Nancy, donc autrement dit dans des lieux du patrimoine. Et ici, en fait, à cette occasion du laboratoire créatif franco-allemand, on propose un nouveau festival avec une nouvelle dimension franco-allemande. Alors, le Goethe Institut est pour nous un rôle primordial, déjà pour créer le lien avec cette ville allemande. Et ensuite, on a vraiment un tutorat qui a été mis en place en fait, avec le Goethe Institut. Donc, on est suivi en fait, par des professionnels allemands. Et ça, c'est le Goethe Institut qui l'a mis en place. Donc, il nous aide en fait, à développer tout ce qui est le plan économique, mettre en place un business plan. Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très important. Et c'est une plus-value très importante. Voilà. Moi, je suis graphiste, Robert est architecte. On voudrait construire des pop-up structures, de l'architecture éphémère et la mettre sur la place publique pour créer une plateforme pour que les habitants des différents quartiers puissent communiquer ensemble. Et depuis que nous sommes en résidence ici, on utilise cet espace tout le jour pour travailler sur ce projet, imaginer, faire des recherches, réaliser ce projet pendant 6 mois. Oui, ici, il y a des projets que j'ai déjà fait. Ici, une expo pour montrer des solutions sur climat, énergie et mobilité dans des containers qui sont transportés pendant 3 mois sur des places de ville différemment. Ici, c'est un pop-up qui est fait pour dormir dans la nature, pour un soir. C'est une structure temporaire aux natures. Alors l'idée, c'est de faire créer des structures éphémères dans la ville de Nancy, mais après, ça sera quelque chose qu'on va aussi développer dans une autre ville en Allemagne, qui est la ville de Chemnitz, qui est une ville en Saxe. Alors ici, vous voyez un premier contact, un premier moyen de rentrer en contact avec les habitants de la ville sur, par exemple, des endroits qu'ils apprécient dans la ville par rapport à quels sont les endroits qui représentent la diversité de la ville, quels sont les endroits qu'on préfère la nuit. Mais après, le but, c'est d'aller dehors et parler avec des habitants, essayer de rencontrer des associations qui travaillent avec des citoyens et de créer un rapport plus direct avec les habitants. Je pense que oui, c'est une super possibilité pour améliorer la coopération franco-allemande ou pour permettre à des gens de découvrir d'autres villes ou des gens provenant de d'autres villes.